Le dernier morceau était tiré des variations Goldberg de Jean-Sébastien Bach. Jean-Sébastien Bach, c'est un compositeur majeur de la période baroque. Il est allemand, il est né en 1685 et mort en 1750. Ces variations Goldberg sont au départ composées pour clavecin à deux claviers. Le clavecin utilise un mécanisme de corde pincée, tandis que le piano utilise un mécanisme de corde frappée. Mais à l'époque, les variations Goldberg sont publiées en 1742. Eh bien, alors que le clavecin est un instrument en vogue, le piano, ou du moins son ancêtre, le pianoforte, en est encore assez balbutiement. Ces variations Goldberg sont en fait une commande du comte von Kaiserling à Jean-Sébastien Bach, car il souffre d'insomnie et la musique est un moyen pour lui de trouver de l'apaisement pendant ses angoisses nocturnes. Jean-Sébastien Bach a donc composé un air de deux parties de 16 mesures. Je vous ai joué la première partie de cet air, et s'en suivent 30 variations de la même structure harmonique et mélodique, mais à chaque fois revisitées, réinventées, renouvelées. J'espère que le caractère apaisant vous aura touché à son écoute. Voici maintenant un nouvel extrait. Je m'arrête là pour aujourd'hui et vous dis rendez-vous à la prochaine vidéo.